Salut, c'est Miguel Riverset sur le jeu Tour de France 2020. En ce mercredi 26 mai, on vous propose avec Erin Gall, avec qui on fait ce concept de Giro fictif sur le jeu Tour de France 2020, eh bien la 17e étape de montagne après la journée de repos vers Sega di Ala. Chez nous, ça se traduira du côté de ce Giro fictif par l'étape d'Otacam. Attention, ça fait mal. Otacam pour aujourd'hui, terrible arrivée au sommet avec un color catégorie qui précède, mais c'est le Tourmalet tout simplement, et dans la réalité c'est bien ça, ils vont avoir un super col avant de l'arrivée au sommet à Sega di Ala. C'est une journée très exigeante pour tout le monde, plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent, c'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en mesure d'accompagner les meilleurs et de jouer le podium de l'étape. Bonne journée, les gars. Allez, allez. Eh bien, ça serait pas mal. C'est marrant, ils nous ont mis une troisième journée de repos dans le fictif, là. Bon, on aura une journée de repos avant le chrono final. Très bien. Mais là, regardez ce qui nous attend sur les prochains jours, pour cette dernière semaine. Ça fait mal. Ici, étape arrivée au sommet. Étape de Vallon. Étape arrivée au sommet. Étape arrivée au sommet. Il y a du lourd, du très lourd, comme vous le voyez, qui se profile pour nous. Donc, la situation Bernal devant Evenepoel à 1.14, Landa 3e à 2 minutes 40, se retrouve directement dans cette étape. On se retrouve. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant. Pour les derniers kilomètres du Tourmalet. L'échappée très très loin devant. On va pouvoir donner le ravito à tous ceux qui en ont besoin. Parce que la zone de ravito, il y en a une hein, derrière. Donc avec Evenepoel aussi, on va en prendre. Le peloton relativement groupé hein, derrière une échappée fleuve, bien sûr, sur ce genre d'étape. On est 63 dans ce peloton. Bon, il y a quand même eu un écrémage. Hein. Moi, j'ai demandé à certains coureurs de ne pas se compliquer la vie. Il n'y a pas besoin. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bah, de type Honoré. Donc, nous y voilà. À ce sommet. Après grande descente dans laquelle il va certainement y avoir des regroupements. On n'est plus que 32 là, bon, ça va se regrouper hein, au profit de la descente, je pense. Et direction ensuite Otacam. Le Tourmalet, ils ont mis une statue comme ça, oui, pourquoi pas. Bon, ici il n'y a pas grand intérêt, hein. Ça va se regrouper tout le monde je pense. Ah, bien sûr les coureurs, les coéquipiers, Landa et Bilbao aux avant-postes comme d'habitude. Maintenant on va se retrouver pour... on va y aller en direct ensemble hein, parce que... Le ravitaillement est imminent pour les hommes de terre. Il n'y a pas beaucoup à faire là. Donc 11 minutes, hein, c'est le moment d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des échappés. Il y a qui? Oh, Rudy Mollard et Gorky Zaguirre. Ils sont quelques secondes devant Champoussin. Ouais. Et c'est parti pour la... C'est parti. Non, c'est parti pour les échapper, pas pour nous encore. 14 km d'ascension à presque 8% de moyenne. Et voilà. Otacam, mais pour le coup, je connais bien et j'en ai bien souffert puisque le week-end de l'ascension, j'étais dans les Pyrénées et j'ai monté Otacam. Que j'avais déjà fait il y a 3 ou 4 ans en VTT, parce que j'avais pas de vélo de route sous la main à ce moment-là. Et ça avait été bien dur, et bien là aussi. Ça a été particulièrement dur, il faut dire que j'ai quasiment pas d'entraînement, donc s'attaquer à ce genre de col. Dans la réalité, quand on n'est pas affûté et qu'on n'est pas entraîné, j'ai à peine fait 100 bornes depuis début janvier, pour en dire rien, surtout sur Bordeaux où il n'y a pas beaucoup de montagne hein, pour s'entraîner, quelques petits coteaux, mais
pas des montagnes. Donc voilà, ce week-end de l'ascension, j'ai monté le Soulor. Ça s'est plutôt bien passé, hein, 7 km à 6 ou 7%. Ça va. Col des Bordères. Et au milieu de tout ça, Otakam, qui était bien chaud et sur lequel on est là à présent avec Remco Evenepoel dans le Giro fictif. Et où les vrais les coureurs du Giro seront à Segadiala. Alors, est-ce que j'ai des coureurs moi pour me faire une petite Almeida? Tiens. Toi, tu vas nous faire une petite protection et puis toi-même, tu vas être protégé par... voilà. Et Seri, je pense qu'il a fait son job. Et on n'a plus besoin de lui. Ok. Et tous, ils vont prendre en attendant leur ravito. Alors, on a 8,9 km là maintenant pour tenter quelque chose éventuellement ou pour résister aux attaques si jamais... Ça y va fort côté Egan Bernal, comme on peut peut-être le présager. Surtout qu'à la différence des autres étapes, là, il a l'air d'avoir, on est 37 et il a l'air d'avoir beaucoup d'Ineos dans le groupe. Ça monte vite, hein. Ça monte vite pour ces 8 derniers kilomètres, pardon. Et Remco qui a toujours pas de bon état de forme. Alors, petite interruption téléphonique, cependant, je disais, à 7 km de l'arrivée, ça monte très fort, je trouve, dans ce groupe maillot rose. Ah non, Sivakov qui nous embête. Et nous, on va être obligés hein, de s'activer. En fait, là, les pentes ne sont pas représentatives. Hein, 6%, il n'y a jamais ça au Takama, surtout à 8 km de l'arrivée. C'est plutôt toujours entre 8, 9 et 10, quoi. Mais bon. Ah oui, par un passage à 16, pour le coup. Allez, ça nous empêche de passer là, côté Vlasov. Maintenant, Reichenbach. On a toujours nos coéquipiers qui peuvent nous aider. Allez, Bilbao. Ah non, c'est Caruso pour une fois. Donc voilà, ça y est, on est à 5,8 km. Bientôt besoin de ravito. Pour Remco, mes coéquipiers qui vont sûrement lâcher l'affaire d'ici peu... Ah là là, Brambilla et tout ça là qui nous énerve. Allez, nous on continue. Les coureurs, bah ouais, devant ils vont s'imposer, pas de problème. Narvaez, ah oui, coéquipier de Bernal qui prend le lead là dans ce groupe. 39 coureurs, dis donc, ah bah oui, c'est parce qu'il y a eu des échappés. On a récupéré, là maintenant ça nous embête à nouveau, il vient de se placer devant nous. Et ça nous empêche de bien rouler. Pour l'homme de tête. Et rien n'est fait, le suspense est à son comble. Allez, on prend notre bleu là parce que c'est le bordel hein, dans ce sommet d'Otakam. Puis les pourcentages sont pas vraiment représentatifs de la réalité pour le coup. Des trucs à 6%, il n'y a pas ça, hein, Otakam, hein. C'est bien au-dessus. Mais... Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui arrive à rester dans le groupe là, du maillot rose, ce qui n'est pas trop normal. Et tandis qu'il attaque, où il poursuit son... Non, il est avec son coéquipier qui lui a fait une rampe de lancement et ça y est. Maintenant Egan Bernal attaque. Lambda il a essayé de le suivre ou c'est pas Lambda? Tiens, on est à 3 km encore, je peux pas tenir à ce rythme. Egan Bernal est vraiment au-dessus du lot. Si, il est avec Lambda. Il ne doit pas faiblir. Mais Lambda, il lui manque du rouge, hein. Clairement. Nous, qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, ça essaye de revenir, mais c'est chaud. Ah, ils vont nous faire mal, là, Lambda et Egan Bernal. Et puis nous, on coince un peu là. J'ai l'impression que cette entrée de troisième semaine n'est pas terrible pour Remco Evenepoel, hein. Parce qu'il nous reste encore 2 km et on se fait même rattraper par Reichenbach. Alors ça, c'est impressionnant, ça. Ah, ils nous rattrapent tous, en fait. Et puis, ils vont peut-être même nous déposer, en fait. Hein. Parce que, regardez, le peu de bleu qui nous reste, on peut pas aller plus vite, sinon on se fait exploser.
la carcasse. Ouais, on n'a pas du tout fait la différence face aux autres favoris. Et devant, ça s'envole. Vlasov et tout ça, ils nous dominent. Hein. Bourman, Vlasov. C'est quoi, c'est le dernier kilomètre? Pousse-toi, là, le Caldado, là, Cataldo. Maintenant, on attaque le rouge. Hein. C'est chaud. C'est chaud pour Remco. C'est pas du tout un bon jour pour lui. Hein. Au niveau de Dan Martin, même. Et merde, il nous fait chier, lui. Alors, on arrive au bout du bout. Nibali était déjà passé. Quelle déception, c'est une très très mauvaise étape. Hein. Le ralenti de cette journée de calvaire pour Remco Evenepoel. On est à combien, là? À 2,5 km. 2,5 km, c'était dur. Regardez, là, tous les outsiders qui reviennent dessus. Décidément, la journée de repos n'aura pas été bénéfique hein, pour Remco. Il aura eu du mal à la digérer. Tandis que devant, eh ben, et voilà, les favoris, oh, comme ils sont loin. Alors, il est arrivé, là, le Prems, je crois. Non? Ah non, il a dû être pris par Egan Bernal, qui s'est encore imposé une nouvelle fois. Ah oui, certainement, il n'y a personne devant. Oh là là, Egan Bernal qui va encore s'envoler. C'est bon, là, je pense qu'il... Directement, cette reprise de dernière semaine, il assoit définitivement sa victoire, je pense. Landa n'est pas très loin avec Nibali, hein, qui est très fort hein, sur cette fin de Giro. On l'avait déjà vu avant la journée de repos. Et ouais, tandis que là, donc il s'impose. Derrière, pas très loin finalement, Landa. Hein. Nibali... Simon Yates, peut-être Bardet, Vlasov, et nous on arrive là. On arrive avec Bourman, avec Reichenbach, Dan Martin, tout ça. Ouais. C'est à oublier, puis surtout, ben, ça va replacer un peu les trucs, c'est-à-dire clarifier un peu la situation. Là, on pouvait se dire, on peut encore jouer la victoire, ça risque d'être chaud. Ah ben si, il y avait encore un échappé devant. Yorkeys Aguirre. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Egan Bernal conforte ce maillot rose. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il est en tête du classement et il va recevoir les... Toujours ses Clamen côté Caleb Ewan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les sprinteurs. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez la... Maillot à poids, toujours un méda. Et meilleur jeune, bien évidemment. Il est toujours là. Allez, eh bien, regardons malheureusement ces écarts qui vont nous faire mal. Allez, s'ils veulent bien, ils mettent du temps, ils ont peur de nous montrer la réalité en face. Le podium me semblait envisageable, c'est dommage. Evenepoel 9e. Il n'est pas négatif. Donc, Izaguirre et Mollard se sont joués la gagne. C'est Izaguirre qui s'est imposé. Bernal 3e qui rafle quand même quelques bonifs. Landa à 40 secondes derrière. 6-0-1 en Anibali. Evenepoel à 6-30. Ça veut dire qu'on perd 1 minute 30 sur Egan Bernal. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça nous donne au général, d'ailleurs... ouais, on est juste encore devant Landa, mais plus beaucoup, hein. Ouais, 40 secondes à peu près. Bon, on sait que le podium, il est quasiment assuré hein, quand on voit les écarts derrière, mais quand même. Vlasov qui récupère une place. Attention à Bernal pour le maillot à poids, pour le maillot bleu, parce qu'à force de gagner, d'être très très bien placé, ben, il revient sur Almeida. Donc ben voilà, pour cette étape de ce mercredi. On se retrouve demain, une étape un petit peu plus de transition vers Stredella avant les deux grosses étapes qui nous attendent vendredi
et samedi, avec arrivée au sommet à chaque fois. Ouh, ça va encore faire mal. Allez, à demain!